Et salut à tous, Sinisterface, on se retrouve pour la deuxième vidéo, enfin si je peux dire, parce que la première était énorme. Donc on devait retourner voir le docteur, non, chez lui. Cache un truc, ce médecin. Voilà, on va enfin avoir les... La possibilité de récupérer des objets un peu partout, des objets clés. Donc on en a 4. On dit non, hein. On va gagner du temps. Donc on va gagner, prendre ça. Hop, on a les explosifs. On peut les retrouver là, hein, les Magnus, quête. Voilà. On va en faire 4. Si on dit oui, en fait, il nous dit d'aller chercher des pommes, machin, pour lui donner. Pommes qu'on peut trouver ici. Donc on va dire oui. Ensuite, on va aller récupérer du lait ici. Si vous rappelez, on pourra en récupérer. Alors, à savoir que ça, c'est juste des objets de quête, hein. On peut pas les utiliser en combat. Elle voulait du lait. T'as visé, alors elle peut pas le faire elle-même. Voilà, et un nouveau Magnus Constellation. Y a quoi d'autre à faire? Ah oui, on va aller chercher le feu. On va chercher du feu ici. On peut vraiment tout récupérer, on peut même récupérer des trucs comme ça. Voilà, donc là normalement on est à combien là? Ok. Et maintenant, on va retourner à la forêt. On a 2 trucs à récupérer. Donc on a le feu pour ici. On utilise les pommes pour casser le... Non, on balance des pommes sur le tronc d'arbre. On utilise des explosifs pour faire une tarte aux pommes. Merde, quel con. Non, c'est pas vrai. Là, j'ai... par exemple, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû faire 3-2-1. Ou 1-2-3.
Ah oui, on peut utiliser 3 cartes par tour maintenant, parce qu'on est classe 2. À chaque fois qu'on monte notre classe, on peut utiliser une carte de plus. Voilà, deck de glace. Enfin, faut retourner au boss. Je sais pas si vous rappelez, il y avait un coffre qu'on n'a pas pu prendre. Bon, là, on s'en fout. Ouais, là vous voyez il y a un homme qui avait pas avant. Moi je m'intéresse beaucoup aux animaux, j'adore leurs cadavres. Non, j'étais persuadé qu'on pouvait passer par... Par ailleurs, mais on est obligé de passer par là, ce champ. Oula. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Les attaques spéciales, c'est toujours en fin. Donc si on les utilise, ça arrête le combo. Et aussi, vous avez vu, ça a enflammé l'ennemi, le... Vous allez voir, ça commence à être beaucoup plus dynamique le jeu. Ouais, plus 28% maintenant. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Pareil, l'histoire elle va décoller après, vous en faites pas. On va le prendre en photo pour en faire un peu d'argent. Il les a vite empaillés. Hein. Voilà, maintenant on a un oiseau bleu mort. Enfin, empaillé. Mais ça s'appelle oiseau bleu mort. Hein. Oiseau bleu mort. Ce cadavre d'oiseau bleu a été trouvé dans la forêt. Non. Tout à fait normal. Des tripes sanguillonnantes lui pendent du bide. Meilleure description, quoi. Oui, je fais n'importe quoi. On s'en fout, c'est des chauves-souris de toute façon. Ouais, chauves-souris scorpion géante. N'hésitez pas à prendre plein de Magnus, même s'ils sont pourris. De toute façon, vous voyez, on peut en stocker 1000. Donc c'est 1000 pour tout le monde, hein, mais c'est pas 1000 par perso, mais c'est large assez. Voilà. Et on obtient le Magnus 8 qui va nous servir éventuellement. Personnellement, je l'utilise pas trop. Mais vu que là on fait des vidéos, peut-être qu'on va l'utiliser plus souvent pour gagner du temps des fois. Voilà, et en même temps, on peut récupérer de l'eau.
Voilà, je crois qu'on a plus de place. Ouais. Je sens qu'on puisse pas passer par là. Non, c'est pas là. On est obligé de le tuer. Ah non. Lui, on est obligé par contre. Attends, ça va faire mal là. Vous avez vu, des fois il y a un petit temps entre les attaques, on peut pas lancer direct. Ah, 102, je crois que j'ai battu mon record. Je mets pas plus parce que ça ira plus vite. Voilà. Time to collect the... Attends, il nous parle pas au fait maintenant qu'on lui a donné Zozo. Ça doit vraiment être de la merde sa vie. Hein. C'est plus ça le plus beau jour de sa vie. Alors. On a, vous voyez, on est invulnérable pendant un certain temps quand on fait un combat. Ça nous permet de passer à travers les ennemis, c'est sympa. Et c'est aussi sympa le fait que les ennemis s'affichent à l'écran, qu'on peut les esquiver du coup. Ça nous fait gagner beaucoup de temps pour les vidéos, c'est cool en fait. Voilà, voilà. Du coup, on va aller à la vallée de Nunki maintenant. C'est un truc que j'aime pas dans RPG, c'est quand on est handicapé d'un perso, comme ça on perd un perso, c'est chiant. Mais bon. Ah ouais, d'accord. Rien le temps de faire. Il m'a agressé là. Je pense que j'aime bien collectionner les photos. Don't be thinking you can beat. Ouais, les grosses attaques comme ça, ça suffit à tuer tout le monde. Hein. A savoir qu'il y a deux Baton Kaitos, hein, deux jeux Baton Kaitos. Baton Kaitos et Battle Kaitos Origins qui se passe dans le passé, qui est le préquel hein, du 1, qui n'existe pas en français mais qui est en train d'être traduit par des fans et qui est presque à la fin d'ailleurs. Enfin, ça fait un an qu'ils sont à 95% de traduction. Et qui a un gameplay vraiment mieux, enfin le système de combat est encore mieux.
Mais c'est important de faire le 1 d'abord. T'as l'arnaque. Merde, j'ai pas de 3. Give me a break. Is that the best you can do? Merde. Je fais deux de tension là, c'est pas facile. Allez. Vous voyez, on commence à avoir assez vite des objets puissants. Esquive. C'est magique, hein, ça fait tout péter. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Peut-être un objet à gauche, là. Non, je comprends. Ouais, j'hésitais, mais... Non, ça va saouler le casque. Putain, mais on n'a pas le temps. Alors bien faire gaffe de pas mettre armure de glace et armure de feu en même temps. Sinon elle s'annule, hein, comme je vous l'avais dit. Déjà qu'on se foutait de la gueule des RPG parce que... Parce qu'on a... on a le perso qui frappe et ensuite l'ennemi attend. Et là en plus on le prend en photo entre les deux. Complètement con. Ça provoque, c'est je vais faire une sieste, ok. Alors là, je vais quand même prendre l'armure hein, au lieu de la photo, parce que... Ouais, ça servait à rien. Ok. Ok, génial. Du coup, je dois me retaper le combat. Time to party. Ah, c'est bien ça. On peut s'en faire. Donc là on peut pas y aller. Ah bah si. Trop bizarre. Ok, ça nous mène où? Hein? Ça sert à quoi? ouais. Bon bah, je crois que c'est bon, on a fini. Ouais. Il y a un nouveau ennemi là. You're dead.
Ennemi de feu, je suppose. Et du coup, vous voyez, je peux pas annuler ses dégâts de feu parce que je peux tirer l'armure de glace. Par contre, il doit manger là. 7. Allez, hop, double dégâts. Not bad. Ah putain, ça donne envie. Je fais la collection des photos donc. Recette secrète 1. Ah oui, oui. Alors, c'est quoi cette recette secrète? Écoutez-moi bien, j'ai passé ma vie à chercher des combos spéciaux et j'ai décidé de les noter pour les générations à venir sur la force de recettes secrètes. Ce travail de toute une vie, alors lisez attentivement. Voilà. Et la suite, c'est dans la recette secrète 2. Donc, bien sûr que quand t'es mort. Hein. Ok. Oula. Il a failli me choper l'autre. Bon, les monstres sont un peu agressifs d'un coup. Je rappelle les photos, faut attendre 10 minutes pour les développer. Voilà, après ce que je vous ai raconté. Le mec sent plus pisser quoi. Peut-être à cause de la cascade en marque. Ok. La musique est jolie, mais alors par contre, le son de la cascade est beaucoup trop fort. Voilà, voilà. Et on arrive enfin au village de Percade. Percade, je sais pas trop. La capitale. Car on a fini l'île là, après cette. Look at that. Mais là ça va aller beaucoup plus loin là. C'est un village assez joli. C'est pas le plus joli du jeu mais il est assez joli. Il y a des nuages en fait. Dedans, ça c'est sympa. I'll need your help to take out Giacomo. Back me up. Pour comment? Wait a minute, you're still acting a little strange. I'll tell. Remember, the guardian spirit's power in battle. Depends on it. I'm talking about trust here. If it's lost, in other words, if I no longer trust, your powers won't be as effective in battle. I do trust you. C'est juste certaines attaques spéciales, alors pas celles qu'on a vues, hein. Mais des fois des Magnus pendant le combat qui vont se transformer en d'autres attaques super puissantes. Et ça a plus de chances d'arriver si on a une meilleure relation avec Kalas. Okay. When you have advice for me, think about how it might affect our bond. A healthy bond will help us fight our enemies in the long. That's the spirit. Let's get going. Voilà. Bah écoutez, on va arrêter là. Enfin, une vidéo de
d'un temps à peu près correct. Donc voilà, on a obtenu pas mal de bons Magnus, hein, mine de rien. Ça c'est des photos. Si on trie par attaque par exemple. Voilà. Donc ça bon, là, c'est la puissante puisque c'est notre coup final. On a deux épées de feu, deux dagues de glace. Et en armure, on a eu un bouclier de glace, un bouclier de flamme, deux armures de glace. Voilà. On peut aussi fuir maintenant. Ok. Et puis les quêtes, c'est ça. Arte, ça c'est encore un autre truc qu'on n'a pas encore. Ça on peut pas montrer encore. Ah oui, parce que oui, d'accord. Ok. Alors ça c'est les combos spéciaux, il y en a 141 dans le jeu. Et on en a 0. On peut même finir le jeu sans en débloquer. Hein. Je vous montrerai ce que c'est après. En fait c'est des combos de Magnus qui permettent de créer d'autres Magnus. Et qu'on obtient du coup en loot à la fin du combat. Mais je vous montrerai ça plus tard du coup. Voilà, voilà. Allez. Non. Putain, faut que je fasse gaffe. Tac. Bah, je vous dis à la prochaine pour la suite du jeu. Et normalement, la prochaine vidéo, ça va être plus punchy que celle-là. Celle-là, c'était bon, surtout récupérer des objets et traverser un petit donjon. Cette fois, l'histoire va continuer. Allez, à la prochaine. Salut.